Comme on a parlé de spermatozoïdes, nous allons parler maintenant d'une propriété de l'ovule. On a différents types d'ovules chez les êtres vivants, de l'être humain aux insectes, aux oiseaux, etc., etc. Il y a une différence entre les ovules. C'est important parce que l'œuf ou bien l'ovule, si vous voulez, en général on dit l'œuf, donc l'œuf chez l'être humain, elle est alicite, alicite, A-L, alicite, ça veut dire sans réserve nutritionnelle. Il n'y a pas de réserve nutritionnelle au niveau de l'œuf, parce que les réserves nutritionnelles sont utilisées par l'embryon lors de son développement embryonnaire. Mais comme les mammifères, chez les mammifères et l'être humain, l'embryon, il est implanté dans l'utérus, ou bien au sein de l'utérus de la maman, ou bien de l'individu femelle, donc il sera donc alimenté par les capillaires et les vaisseaux sanguins, ou bien le sang maternel. Donc il n'y a pas un besoin de réserve nutritionnelle. Par contre, chez les autres espèces d'animaux, comme le cas par exemple des oursins, qu'on a l'œuf qui est oligolycite, chez les insectes, plutôt chez les amphibiens et les grenouilles qui est hétérolycite, chez les insectes centrolycite et chez les oiseaux télolycite. Oligo, ça veut dire il y a peu de réserves nutritionnelles et c'est le cas des oursins qui se développent donc qui ont un développement embryonnaire qui est rapide, qui ne nécessite pas beaucoup et qui sont des organismes très simples, ne nécessitent pas beaucoup de réserves nutritionnelles. Chez les amphibiens, c'est hétéro parce que on a une concentration de vitellus ou bien de réserves nutritionnelles au niveau de pôle basal ou bien le pôle végétatif par rapport au pôle animal. Donc c'est hétéro, c'est différent. Et là, on a centrolycite au niveau des insectes. Donc les réserves nutritionnelles qui se concentrent au centre du noyau, au centre de la cellule ou bien de l'ovule, et en poussant le cytoplasme vers la périphérie. Vous avez aussi donc le cas des oiseaux, télolycites, où on a les réserves nutritionnelles qui se concentrent au niveau d'un pôle. Voilà donc la chose la plus, si vous voulez, distinctive entre l'être humain, l'ovule ou bien l'œuf de l'être humain et le reste des animaux.